Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui, et comme vous le voyez dans le titre, pour la première vidéo de Star Wars Outlaws. Donc c'est parti, le jeu est sorti, on peut enfin commencer et découvrir le jeu ensemble. Donc j'ai juste testé un peu le son parce qu'il y avait beaucoup de réglages à faire. Mais on fait une nouvelle partie bien évidemment. C'est parti. Bien évidemment un jeu signé Ubisoft. Donc nous sommes sur PlayStation 5, mais le jeu est aussi sorti sur Xbox Series et PC. Mais je crois qu'il n'est pas dispo encore sur Steam, mais Ubisoft. Uniquement Ubisoft et peut-être Epic. Peut-être l'Epic Game Store. Bon allez, chut, on écoute. Un petit creux. Enfin. Zerek Besh montre son visage. Vous tous, représentez l'une des plus puissantes organisations criminelles de la galaxie. Les Pikes, l'Aube Écarlate, les Huts. Ok, donc il y a plusieurs factions. Le crime organisé connaît son âge d'or. La petite étoile de la mort de l'Empire a explosé et les forces de l'ordre sont trop occupées à traquer la rébellion. C'est le moment idéal pour engranger des millions. Mais, à ma grande surprise, l'un d'entre vous a envoyé un espion dans ma propre maison. Alors que nous aurions tous pu partager un festin. Ça suffit, Sliro. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour écouter des mensonges, pendant que Zerek Besh saccage nos routes d'épices. Dadian et toi, Maal. Je dors. Vous savez, les gens se font la guerre entre eux. Mon frère était l'héritier de la fortune familiale. Il n'est plus là maintenant. Vous me faites penser à lui. La Tinekoluta. Il n'y en avait toujours que pour lui. Même à table. S'il avait fini son assiette, il enchaînait avec la mienne. Et alors je le regardais, sans piffrer, le ventre vide. Et en quoi ça m'intéresse? Si Zerek Besh veut des partenaires, oubliez ça. On a essayé, ça n'a jamais marché. Des partenaires? Vous m'avez écouté? Je meurs de faim. Et c'est l'heure de manger. Et voilà, il n'y a plus personne. Nous voilà avec la petite créature toute mignonne du nom de Nyx qui va nous accompagner tout au long de l'aventure. Je sais, t'as faim. Laisse-moi une minute. Ça devrait marcher, non? Par contre, pour plus d'immersion, j'ai quand même laissé les haut-parleurs de la manette, le son. J'espère que ça vous gênera pas. Et vite, je le coupe, mais là, j'avoue que j'avais envie de le mettre. Un blaster, trop bien. Oh, tant que Farik. Où est-ce que c'est? Oh, d'accord, t'inquiète pas, on va trouver à manger. Ok, ça commence, nickel. Tournez la caméra si vous voulez voir autour de vous. Normalement, j'ai enlevé le flou de mouvement, même si j'ai l'impression qu'il y en a encore. À mon avis, c'est les capsules de Steam en bas, je pense. Lire la tablette. Encore heureux qu'ils traduisent. Hein. Où est l'argent? Ok, ça n'a pas été gratuit de convaincre la police d'abandonner l'affaire. Mais t'as rien payé. Très bien, donc on doit des sous déjà. Ok, bon, très bien. Lettre de menace. Quoi d'autre? Il nous faut de la vraie nourriture. Ouais, ça a pas l'air très appétissant ce truc. Hein. Le scanner de la police est calme ce soir. Espérons que ça change pas. Je me suis assez entraînée. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ok. Elle devait fabriquer des armes et tout, je pense. Bon, bah, on se casse. Hein.
On a faim. On a faim. Lui aussi, d'ailleurs. Je te suis, t'inquiète, je suis là. Le robinet coule, il y a une fuite. Faut appeler un plombier. À mon avis, ça va pas se passer comme prévu. Je m'achèterai une piole près de la piste. Tu laisses passer une sacrée occasion. Je connais pas cette équipe, j'aime pas ça. Préviens-moi si tu changes d'avis. Alors, Bram, c'est pour moi ? Non. Mais ça, oui. Ah, mon pic de données. Ouais, et c'est cassé. Une petite vermine me l'a vendue sur la place. Il dit qu'il l'a trouvée sur le territoire du sixième parent. Et maintenant, tu vas me dire que jouer avec le sixième parent, c'est une mauvaise idée. Tu vas te faire tuer, surtout. C'est une autre façon de le dire, oui. T'as pas d'équipe, Kay. Et tu continues à vouloir tout faire toute seule, des gros coups qui marchent jamais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. C'est ça. C'est la faute à pas de chance. Pas de chance ? J'ai plus de boulot, pas d'argent, et je vis dans un grenier. Reste au sabot brisé ce soir. Mange quelque chose. Laisse-moi te trouver un contrat, un petit contrat minuscule, une arnaque facile. Tu pourrais aussi me donner le contrat sur ta tablette, là. Bien essayé. Alors je me débrouillerai. Prends quelques crédits pour le pic de données. Pas la peine. Bah si, on aurait dû les prendre. Et avance sur ton loyer, alors. J'ai dit pas la peine, Bram. Pic de données cassé, nouvel objectif. Très bien, je vois qu'on a R1, on a un truc à faire. Enfin, on peut... C'est quoi R1 ? Je ne sais pas. Parier. On a des sous ? Alors, qui a l'air le plus prometteur ? Saut de comète. Vive Gentimer, Rafale, affaibli, épuisé. Bon, on va pas le faire. Ah, ah bah voilà, ça faudrait qu'on fasse. Pas de risque cette fois. On a ce qu'il faut ? Oui, on essaie. On vient de nous dire que les choquets... Je sais pas si on a bien fait d'utiliser tout de suite des sous. Hein. Moi, je suis j'ai à peine commencé que direct dans le bim. Mais je suis une grande joueuse. Y a pas. On peut observer. C'est lequel on a parlé sur qui ? Je ne sais plus. Je sais même plus qui... Allez. C'est qui ? C'est le jaune là ? C'est bon ? Je ne sais plus. En vrai. On a perdu. À tous les coups, on a perdu. Voilà. On a perdu 5 crédits. Trop bien. On va arrêter les conneries, hein. Ah, enfin, je peux courir. Avec ce pic de données foutu. Sauf que... Allez, Nyx, on va voir Priman. Et après, on va au club Tarsus et on récupère les fausses identicartes dans leur coffre. Avec un peu de chance, on pourra prendre une navette pour les mondes du noyau. Bon, de toute façon, s'il faut, je ferai quelques réglages. Hein. Si les sous-titres sont trop gros, tout ça, moi j'ai fait pour bien voir et être tranquille. Mais s'il y a des trucs qui vous gênent aussi en vidéo, n'hésitez pas à le dire. Qu'est-ce que je dois faire là, du coup ? Il y a un truc là. Cellule d'énergie épuisée. Ben, je récupère des trucs qui servent à rien. C'est compliqué. Je viens de Corellia. Ils ont gagné l'année dernière. Mais il faut que j'encourage. Il y a un petit chemin là. Ah, ben voilà. Pouf. Clé hydraulique abîmée. Mais tout est abîmé ou inutilisé. Ou vidé. Ça sert à quoi ? Attendez, il y a un truc là. Hop. Ouais, mais l'objectif. Oh, ben, je l'ai vu, il est là-bas. Je veux juste faire un tour. C'est des trucs à récupérer là. Moi, je vais jamais l'objectif comme ça bêtement, hein. Je regarde d'abord. Okay. Sauf que je ne sais plus. Ah, bah vas-y. Qui a quelque chose à me donner ? J'aurais dû mettre les dialogues là. Ah, c'est lui. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la facture. Pour les 3000 warren que ton animal m'a volé la semaine dernière. Encore. Eh, tu sais même pas si c'était Nyx.
J'en ai jamais vu d'autres comme lui. Alors soit tu paies très vite, soit je le dénonce. Ah merde. Bah ça va, on n'a pas le choix, je pensais qu'on aurait un truc à faire. Kay, viens par ici. Salut Nofis, je suis occupée là. Écoute-moi une minute. J'ai un poste de libre dans mon équipe de nettoyage des conduits. Les droïdes restent souvent coincés, et il me faut quelqu'un d'agile. Le travail est dur, mais c'est réglo. Désolé, j'ai un truc de prévu. Ouais, t'as toujours un truc de prévu. Moi, j'aurais pas dit non, ça aurait pu être sympa. Il y a beaucoup de fouilles ce soir. Les policiers vont avoir les poches pleines de crédits. T'inquiète, c'est là-bas. Hein. On n'oublie pas. C'est pas croyable tout ce qu'ils jettent aux ordures. Bon, on y va direct, allez. C'est bon. J'ai un doute parce que là-bas, il y a des trucs aussi. Hein. En fait, y a, comme c'est un monde ouvert, il y a plein de trucs à faire. On en vient là, c'est le bar, non? Je ne sais pas. Bon allez, on va au truc. On ira parler à tout le monde plus tard. De toute façon, tant qu'on n'aura pas fait ce truc-là, on pourra pas faire grand-chose, à mon avis. Faisons la quête. Le sixième parent vous a rendu un grand service en vous trouvant du boulot. Vous bande de petits vénards. La prochaine cargaison. Pourquoi il est pas affiché tout en haut? Pourquoi c'est là-bas? Il y a un point. Les points de quête sont pas sur le truc, non? Bon, je suis là, comment tu m'aides? Triban? Mais c'est, j'allais dire, je sais plus son nom, M6PO, R6PO, vous me le direz dans les commentaires, je suis pas une fan de Star Wars, mais j'ai reconnu le droïde. Allez, je veux simplement faire réparer mon pic de données. J'ai besoin des fausses identicartes de la chambre forte pour quitter cette planète. Kanto, j'en ai ma claque. Ah bah Kanto, ça t'y ouba. Bah encore mieux alors. Ici, j'ai que deux options. Le sixième parent ou la prison. Aku, an uba tinka sa kutu utwata. Au moins, avec ce que je sais faire, je pourrais gagner ma vie. Peut-être même voir les mondes du noyau. Priban, aide-moi une dernière fois et on se reverra plus jamais. Eniki, kutuba no maje chekopa. Ça va, on a pas assez de crédit, c'est pas de notre faute. Allons prendre quelques crédits. 0 sur 100. Oh, il en faut beaucoup quand même. C'est moi ou le jeu n'est pas en grand écran? Normalement, il aurait dû être... Attendez. Alors déjà, luminosité, ils ne l'ont même pas proposé. Peut-être augmenter un petit peu quand même. Ça, j'ai pas. Ça, on s'en fout. Ok. Ah voilà, c'est ça. Il y a un truc qui va pas. Bah oui. Et c'est pour ça que j'ai augmenté les textes, mais il n'y avait pas besoin, en vrai. Bon, ça, on peut le laisser. Mais du coup, attendez. La taille, là, parce que... C'est pas les couleurs, c'est le... Parce que du coup, c'est un peu écrit gros pour moi, là. Mince. Moi, je me suis mise en exploratrice pour pas m'embêter. Mais c'est où, le truc, là? Personnalisé. Oui, voilà. Du coup, on va remettre par défaut. Hein. Pas besoin de mettre plus grand. Les icônes, on va laisser par défaut pour l'instant aussi. Comme l'écran était pas en grand écran. Voilà, là on est quand même... Ah oui, mais non, mais forcément c'est mieux là, comme ça. Tiens, tous les marchands sont partis pour la coupe de Kanto. J'avais pas percuté, mais ça me semblait bizarre après les bandes noires, là, comme ça. T'es qui, toi? Voilà, ça tombe, c'est lui qui a volé l'autre, là. Mais non, il a l'air tout mignon, c'est pas lui. Alors, il y avait un truc, il y avait une flèche... Ça a marqué observer. Ah oui, donc ça me redit juste la quête, quoi. Bon, très bien. Où je les trouve, les crédits? Là, on a la musique. Je sais pas ce que c'est, flèche. Flèche du haut, c'est censé être Nyx, je pense. Ah, voilà, on l'appelle, il vient, je pense. Non?
Bon bref, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller, s'il vous plaît? Comment j'obtiens ces crédits? Maintenez pour voir toutes les actions possibles. Ouais d'accord, car ici c'est... Ah, protéger... Ah mince, je vois bien. Sortez griffes, Dixie. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, désolé, j'ai le truc de ma Switch qui cache l'écran du bas, je vois pas bien le truc. Bon, c'est pas grave. On peut pas s'accroupir? Ils expliquent que dalle. Comment s'accroupir? Prépare-toi, Nice. Bah, tous les coups, il y a que ça. Flash du haut. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, rapporté. Hey, oh, trop bien. Mais en fait, ils expliquent que dalle, quoi. Beau boulot, Nix. Parfait. Ça, c'est cool, c'est bien fait. Du coup, on a des crédits. Il y a que ça, carré. Ça a l'air sympa, hein, Nix. Qu'est-ce qu'il va me chercher? Qu'est-ce qu'il est parti me chercher? Oh, je savais pas qu'il y avait un truc là-bas. Vas-y, parti loin, hein. Bah, viens, rapporte-le-moi. Il l'a récupéré? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. Je vais cafouiller au début parce que là, j'avoue qu'ils expliquent pas grand chose. Pourtant, je suis en mode pratiquement. Ouais, c'est le mode histoire en vrai. Hein. Viens voir ce que j'ai en stock. Oh, mais je peux rien t'acheter, moi. Sois pas timide. Regarde de plus près. Ouais, c'est ça. C'est des fioles de Bacta. Soigne les blessures. Ouais, ouais. J'ai ce qu'il faut. T'inquiète, merci. Ça peut te donner des crédits, ça, en vrai. Manque la torche, je dois la garder. Bah, ça va, on peut la vendre. Voilà comment on obtient des crédits. Pareil. Bah, voilà. Et ça. Je pensais que ça servait. C'est vu que c'était une torche, bon. Écoutez, moi, je vends tout, hein. Reviens quand tu veux. Vas-y, rapporte-le-moi. Va prendre ça. Trop bien. Je vais l'adorer, celui-là. Je vais l'adorer, petit Nix. Et récupérer, donne-le-moi. Merci. Tablette corrompue. Peut-être la vendre aussi. Je vais faire que ça dans le jeu, moi. Me rapporter des trucs. Non, caresser, oui, mais après. On va te remercier, mais après, d'abord, il nous manque des crédits. Rapporte-moi ça là-bas. C'est vraiment... C'est cool, il y a une interaction avec le compagnon. D'habitude, c'est pas comme ça. Je vais les revendre. Elle est où? Parce que à chaque fois... Voilà. C'était rapide. Et ça... A plus tard, j'espère te revoir vite. Qu'est-ce qui nous manque? Attendez, j'ai vu un truc s'afficher, non? Ah, on peut voler? Bah vas-y. À toi de jouer, Nix. Bon, on a vu, on risque de se faire opérer, mais tant mieux. Bon, yes, allons yes, voir yes c'est bon, voilà ce qu'il faut. Oh, tu veux des petites gratouilles, Nix? Allez, on va te caresser. Il est où? Là. Bien joué, Nix. Ouais. Ok, Priban. J'ai les crédits. Wata. Jobaka va bia sa djebe chut pas sa bata. Ok. Allez, on va l'essayer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces petits deux? On va chercher cette identicarte au club Tarsus. C'est notre ticket de sortie, Nix. Et on sera riche en un rien de temps après ça. Bon, je regarde entre eux s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer, tant qu'à faire qu'on est là. Hein. Bon, on peut peut-être voler, mais j'ai pas envie de me faire repérer, mais bon, on va voir ce que ça fait. Et on se casse.
Oh merde, il l'a vu. Pas terrible comme journée. Il cherche. Oh putain, j'en ai mal. On se casse. Il a vu qu'on l'avait volé. Et là, il n'y a rien qu'on peut récupérer sans voler. Parce que j'ai pas envie de me faire attraper non plus, pour l'instant. Je pense qu'il y a un système de réputation, mais je ne sais pas comment, donc... Ah, il y a du monde ce soir. Dégage, Kay. C'est pour les clients qui paient. Ah, elle l'a caché dans ses cheveux, en plus, ce truc. Trouver un moyen d'entrer au club Tarsus. Bien, oui. On va trouver nous-mêmes comment entrer. Bon, mon avis, il va nous aider, hein, Nyx. Il va se faufiler et tout. Mon avis, il y a un truc par là. Est-ce qu'il peut pas se faufiler? Sa paupière? On dirait qu'on peut passer là. Ouais, mais j'explique aucune touche. Comment je m'accroupis, s'il vous plaît? Ah voilà, c'est rond. Franchement, là, vous m'expliquerez, hein. Mais ils expliquent que dalle. Hein. D'habitude, il y a toujours un tuto, genre rond, carré, accroupissez-vous, tournez la caméra. Là, il y a que dalle. Hein. Ok, trop tard pour revenir en arrière. Ah, ça va pirater des trucs, en fait. D'accord. Alors. Je dois faire quoi? Pareil, là, génial, ils vont rien expliquer du tout. Écoutez le rythme et appuyez sur R2 en cadence avec chaque temps d'une boucle. Ah ouais. Vous pouvez également ajuster la difficulté d'utilisation. Bah ouais. Non, moi je garde l'aide, mais ok, qu'est-ce que je dois faire du coup? Appuyez sur R2 en cadence. Ok, pas mal. Peut-être qu'après on n'aura même pas besoin de l'aide, c'était dans le doute, je l'avais activé. Mais là par contre j'ai rien non plus à récupérer, on passe juste ici. Ouais, y'a rien. Je vérifie. Ok, donc on passe ici. Mais non, je l'ai ouvert déjà. Tu vas me saouler. Hein. Ah ouais, d'accord. Et on peut l'envoyer où on veut après. Non, on s'en fout. Accroche-toi, Nyx. On grimpe. On grimpe? Ah oui, par là. Ouais, mais comment on fait? Ah non, là. Ah, c'est un grappin, ce truc-là. Oh, trop bien. Ah ouais. Là, c'est le joystick qui fait le grappin. D'ailleurs, c'était ça. Hein. C'était le joystick, en vrai. On va essayer. Oh non, je me suis fait... Ah, ça régénère. Trop bien. En même temps, on est en mode histoire, c'est sûrement ça. Ok, donc c'est vraiment le joystick. Très bien. Je vais me familiariser avec les commandes, là. Désolé, mais... Croix, ok. On descend. Et ok. À toi, Nyx. Comme je t'ai appris. C'est-à-dire, il faut qu'il aille où? Activez le bouton de la porte. Ah oui, là-bas. Appuie sur ce bouton pour moi, Nyx. C'est cool de pouvoir comme ça lui donner des ordres et tout, c'est sympa. Bravo, Nyxie. Oui, bravo, t'es où? T'es où, mon petit Nyx? Mon petit Nyxie, t'es où? Ah, je vais te caresser. Bah oui, bravo, mon petit Nyxie. On va faire que ça tout le long du jeu. Ça c'est fait, on a trouvé le moyen. Ouais bon, on s'en fout des toilettes, hein, en vrai. Je pensais qu'il y aurait autre chose à récupérer, mais... Il y a rien. Bah c'est tout. Nous y voilà. Brûler la fausse identique carte dans le bureau. Elle a un phaseur qui court pour la coupe. T'as été au casino? Non. Et toi? Donc c'est par là. Ouais, là il y a vraiment rien. Je voulais regarder au cas où. Ok, bon, on y va. Allez, suis-moi, Nyx, on y va. On la joue cool. On vient ici tous les jours. Du coup, les sous-titres, ils sont un peu gros aussi. Pareil, je les diminuerai plus tard. On approche. L'identicarte est dans le bureau du patron. Ok. Comment on va faire, du coup? S'appuyer, c'est-à-dire. Ah, il faut regarder, observer. Non. Alors, leur didacticiel est un peu pourri. Ouais, parce que je suis là, ok. Ouais, c'est juste pour observer. Ok. La manette vibre au son de la... au rythme de la musique, c'est assez sympa. On va passer sur
sur le côté là. Hein. Attendez. Je redescends. Ah si, c'est l'air d'être par là. Ah voilà, voilà, voilà. Prochain arrivage est prévu pour demain matin. Bon là, on peut rien piquer. Posez vaisseau dans le désert et faites les marchés jusqu'ici. Leur donnez pas à voir surtout. Vas-y, prends-le. Beau travail, Dixie. Bon, à partir du moment où c'est pas marqué voler, je suppose qu'on a le droit de le prendre. On s'appuie, ouais, je veux bien, mais à mon avis, ça sert pas à grand chose. Ah, ça donne juste une posture cool. Bon, c'est sympa. Elle pourrait danser aussi. Hein. Bon, allez, on quitte le truc. Alors, comment on fait ? C'est par ici, par ici. Cassez-vous. Salut, je suis Kay et vous allez me laisser passer. Tu n'es pas sur parce la que liste. Vous allez me laisser passer. Oh, mon ami Priban m'a mise dessus. Priban aurait dû payer un peu plus alors. Oh, ça va. De toute façon, je peux pas faire soudoyer, bluffé. Écoutez, vous savez qui je suis ? C'est le patron qui veut me voir. Le patron, il est aux courses. Vas-y, dégage avant que ça me fasse moins rire. Par contre, la vibration, c'est un peu chiant. Bah, du coup, on n'a pas le choix, hein, quitter. Oh, il doit y avoir un moyen de passer. Bah, les vibrations sont trop fortes, je trouve. Et après, c'est parce qu'il y a la musique. Non, mais c'est bon, on se barre. Oh, il doit y avoir un moyen de passer. Ouais, tout à l'heure, il y avait un autre endroit. Donc ça, ça sert à rien. On va remonter. À moins que ce soit par là. Ça, on l'a pas fait. Le patron se plaint qu'il a des cryopèdes dans son bureau. Voilà, on va pouvoir le pirater. Ah bah là, il y a un truc. Ah mais c'est ça va le voler, lui. Après, on s'en fout, hein. Je vais me cacher là. Comme ça, il verra rien venir. On va lui ordonner de le... Hop. Et on se cache. Nickel. Ah merde, on n'a pas. Si je repasse devant et qu'il voit qu'on l'a volé. Je dois aller où, moi aussi? Elle court pas si vite que ça. Hein. En même temps, là, on est dans un club, donc pour forcément... Après, c'est par là. J'ai dû louper un truc. Le système de crédit, c'est sympa, ça fait aussi comme dans les Gardiens de la Galaxie et tout, c'est cool. On arrive là. Comment je fais? Déjà ça, je peux le prendre. Hey, va me chercher ce truc. On pourrait le prendre nous-mêmes, hein. Je sais pas si on pourrait. Ah bah cool, des crédits en plus. Mais par contre, je suis déjà bloqué dès le début. Hein. Je ne vois pas où on doit passer. Protéger Kay. La flèche, je sais pas ce qu'il fait quand je fais ça. Ah, il repère les trucs. Ah, vas-y, vole-le. Allez. En plus, on est tout en haut, il verra rien. On vole tout le monde. Hein. Moi, je vole tout le monde et après, je cherche la sortie. Oh merde, il a un flingue, j'aurais pas dû le voler, lui. Nix, là. Il y va ? Attendez, qu'est-ce qu'il faut ? Excellent. Ouais, sauf si on se fait choper. Sauf que là, je sais toujours pas où on va. Tiens, une carte d'accès ah de la salle. Ah bah nickel. Bah trop bien. Il y a des conduits qui mènent jusqu'au bureau. Fallait la voler la carte, c'est bien. Ah oui, hop, on s'accroupit. J'aime pas trop quand le jeu passe en vue comme ça, là. Ou au moins qu'il y ait les mains du personnage, ça m'aurait... Là, j'avoue que je galère un peu. Ok. Bon, bah vas-y. Mais là, y a rien. Tant qu'à faire,
Non, il y a rien. Allez, ouvrir. Carré. Et bim ! T'as rien vu ! Bravo, Lix. Bon, non, oui, ça va pas se passer comme prévu non plus. On prend l'identicarte et on file. Alors, c'était quoi L2 ? Non, c'était quoi ? Attendez. R2. Merde. Ça va me saouler, ça. On est obligé de le faire à chaque fois. J'aime pas les mini-jeux. Attendez. Il faut vraiment repérer le rythme. Ça. C'est quand même... Oh, et voilà. Sérieux, Priban. Je m'en doutais. Capteur de pression sur les plans. C'est Keyes. Donc Farik. Alors. C'est pas bon. Pareil pour les bruits de tir s'il faut. On peut récupérer le truc là-bas. Elle rapporte moi du style. Ouais, et comment je me soigne? Flèche du bord. Est-ce qu'on peut viser? Ouais, c'est mieux de viser. Ah ouais, je peux pas le prendre. On va me soigner d'abord. Alors, c'est quoi? Pour me soigner, c'était quoi? Je me soigne. Là, je lui récupère son... Mais non, il est allé le chercher. Ah, c'est bon, je l'ai pris du coup. Ok. Par contre, on voit pas leur barre de vie à eux. Nix, distraction. Ah, et carrément distraction. Bon, rapporter, c'est pas la peine. On a déjà tout. Allez, allez, il faut qu'on se tire d'ici. En plus, on peut leur piquer des soins, trop bien. Ça devait pas se passer comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on a rien. Bah, on court, on se casse, en fait. Allez, Nix. Ah. Ah bah, il l'a fait sans que je dise en plus. Faut que je voie dans les paramètres si c'est normal parce que normalement c'est à moi de le faire, non? Lui demander. On va voir si ça se reproduit ou pas. Vas-y, Nix. Ok, Nix. On essaie de les étourdir. Ouais. Merde, j'ai entendu mes coups. On rompt pour s'accroupir, c'est pas terrible. J'adore déjà les phases de tir. C'est quoi qui vole là? Parce que, au final, j'ai peut-être pas besoin de Steam, mais j'ai pas fait gaffe s'il pouvait pas vendre... Nix, tu t'en occupes. Plus récupérer ce qu'il avait, il avait un truc. Attendez, comment je sors là? Merde, attendez, je viens de par où? Ah, ça y est, ça recommence, je suis perdu. Ah, mais oui, c'est par là qu'on venait tout à l'heure. Le but c'est de sortir par là du coup. Bon, autant pour moi, je suis perdu. Ouais, on doit repartir là. On repart, non? C'est pas... On était venu de là tout à l'heure, il me semblait. Ça ressemble en tout cas, hein, l'entrée du vaisseau et tout. Hein. Bon, je dois aller où là, s'il vous plaît? Ouais, ça montre ce truc là, là. À moins que ce soit ici la sortie. Nix,
comme à l'entraînement. Bon, je vais la trouver cette sortie. Mais c'est quoi ce labyrinthe là? C'est fou, je trouve déjà le moyen de me paumer. Ah, là il y a un truc. On en vient de par là. Bon. Leur carte. Est-ce qu'on a une carte en plus du truc? Enfin, c'était sûr hein, que j'allais demander une carte. Hein, parce que là, si on a vraiment pas de carte, je suis dans la merde. Alors. On vient de par là normalement. Hein. Voilà. On a couru, on a sauté, boum 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 boum, pif pif pouf. On a ouvert ce truc. Voilà. On arrive, on a tué les ennemis. Donc là, on est d'accord qu'on n'a pas 36 000 solutions. Que soit, c'est par ici. On ouvre. On ouvre. Mais on se casse par là, quoi. Merde. Bon, déjà, rond, c'est pas terrible, ça, je le sais. Non, mais sérieux, y a un problème. Merde, à la fin. Je déteste être paumé comme ça. On est perdu. Extraction X. Je voulais sortir du hangar, du truc, là. Je suis perdu. Bon, attendez, il n'y avait pas un truc avec Nyx, là? Flèche. S'échapper. Oui, je veux bien. Je veux bien m'échapper, mais... Oui, l'identique carte, on l'a déjà volée, merci, mais je veux sortir de ce truc. C'est un labyrinthe, le truc. On ressort, on arrive au même endroit. Comment on va faire, Nyx? Ah voilà, enfin. Le plan c'était pas de se faire prendre. Oh yes, quand on accélère comme ça, il saute sur notre dos, trop bien. Allez, ça dégage. Ok, on a l'identicarte. Le sabot brisé. On y sera en sécurité. On fait profil bas un moment. On sort pas du grenier. On va faire ça. Donc observer, c'est quoi? C'est la flèche, là? Non, la flèche... Attendez. Mais il me semblait que pour faire ça, il fallait faire ça et ça. Je sais pas trop. Là, j'avoue que la flèche du haut, ça me montre le truc. Puis en plus, je perds de la vie bêtement. Ça passera en marchant. Ah mais non, j'aurais dû... Comment je remonte? Ah non, mais c'est pas vrai. Hein. On va passer par là. Ah ouais, mais là. Et là. J'aurais voulu. Bon, la flèche du haut, ça nous montre à chaque fois prologue. Oui, je doute bien que je suis qu'au prologue. Hein. Mais si je fais ça avec lui... Ça nous montre l'endroit. Je sais pas trop ce que ça fait. Bon, écoutez, on se casse. Hein. Il y a des symboles avec la flèche. Allez, du haut et tout, mais je ne sais même pas. C'est le seul endroit sûr. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ces symboles. À part protéger Kay. Oui, bon, d'accord. La flèche du haut, il fait un effet bizarre, mais je sais pas ce que ça fait. Bravez pas là. Tant mieux. J'avais pas envie d'en parler. Donc elle est à l'étage, donc je fais bien de monter, non? Non, il n'y a rien là. Ah si, là. Ok. J'ai un petit peu galéré pour le prologue, mais on l'a fait. Bram. En même temps, ils n'ont pas beaucoup expliqué grand-chose. Vous vouliez pouvoir entrer tranquillement et voler les scandocs les plus précieux de Kanto. Je te l'ai dit, Kay. Le sixième parent aura ta peau.
Tevez ! Nous savons que tu es là, ne complique pas les choses. Tu ne dis rien, et tu ne fais rien. Non, 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 non. Allez, toi ! Elle est pas là ! Ah, une tête d'araignée, super. Vous croyez que j'ai envie de voir mon bar partir en fumée ? Je m'en fous de cette gamine. En fait, je vais même vous aider. Hé, je crois qu'elle est là-bas. Bon, bah ça c'est fait. Non. Tu nous ralentirais. Ah, merde, allons-y. Non. Avec sa tête d'araignée, lui. Ram. Au moins, ils l'ont pas tué quand même. Et ta jambe. C'est rien, j'ai dit. C'est un nouvel équipage. C'est très risqué. Quoi qu'il en coûte, tu vas finir ce boulot. Le butin devrait être suffisant pour quitter cette planète maudite. C'est bien ce que tu veux. C'est faut le truc qu'il voulait pas qu'on fasse au début, avec la tablette. Pour de bon. Je reviendrai. Non. Surtout pas. Et c'est comme ça qu'on quitte notre chez nous. Où est-ce que tu te caches ? Le sixième parent est partout. Faut pas qu'il nous voie, Nyx. Et du coup, on fait comment ? Où est-ce qu'elle est ? C'est vrai alors ce qu'on dit ? De toute façon, je pense qu'après on tardera pas trop à s'arrêter. Faut pas que ce soit trop long non plus. On continue encore un petit peu. J'ai entendu dire qu'elle habitait au-dessus de la cantina. Si tu la vois, tu viens nous le dire tout de suite. Nyx, par ici. Mais rapporte-moi ce truc là. Bon boulot. Trop bien. On peut récupérer quelques crédits. Bon, là, il y a des ennemis, donc c'est bien, on se casse. Petite glissade. Est-ce qu'on peut sauter par là ? Bon, bah, vas-y. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Et là, on dirait Assassin's Creed, bien évidemment. Non, mais qu'est-ce que je fous ? Oh, punaise. Ah, par contre, il y a un truc là. C'était quoi ? Voilà, joystick. Et yes, tac. Pourquoi je me suis raté ? Pourquoi je me suis raté ? Oh, punaise. On est mal, je me suis raté. C'était pas prévu qu'on rate, en fait. Il y a que moi pour rater ça. Mais non, vous m'avez pas vu, les gars. Vous m'avez pas vu. Finissons-en rapidement. Bon, bah, si. Ok, c'est bon. C'est du coup, on recommence. Vous m'avez vu quand même. On n'était pas furtif du tout. Je l'avais presque. Ah d'accord, on est là. Donc là, si on se loupe pas, ça devrait le faire. On n'est pas loin d'avoir fini le prologue à tous les coups. On s'échappe, on quitte le truc et basta. Donc là, on peut lâcher. Là, je me suis lâché un peu trop tôt. Peut-être qu'il faut se balancer pour donner un peu d'élan, j'avoue. Voilà. On descend ? Ouais, on descend. Fallait pas descendre ? Ah mais bon, fallait aller où du coup ? Ah c'était par là. Punaise, j'avais pas vu le passage. Ils ont eu Priban. Je crois que je vais pas être la seule à devoir quitter Kanto. Attendez, il y a un truc par là. Ça a l'air simple.
Sanix. On a ta boutique. Et maintenant, on récupère. Donc là, c'est bon, on a fini, on peut y aller. Bah, vaut mieux regarder, hein. Si on récupère des crédits et tout, ce serait con de les louper. C'était où ? Merde. Donc là, on a récupéré le truc. C'est par là, voilà, c'est par là. D'après la tablette de Bram, notre contact s'appelle Denyon et devrait être juste là. On peut pas attendre plus longtemps. Allez, bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon. Tu viens d'où ? J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Super, il parle pas. D'ici. Ah, lui il parle, ou elle, oui, elle parle plutôt. Mais je vois jamais la ville comme ça. Marrante cette ville. T'es pas du coin. C'est qui la cible ? Un boss nommé Sliro. Il gère un syndicat du nom de Zerek Besh. Des nouveaux, très riches. Et à ce qu'on dit, toute la pègre a très peur d'eux. Ah, c'est ce qu'on a vu au début, bien sûr. Il y aura de la sécurité alors. Ouais. Mais surtout une fortune si t'accèdes à sa chambre forte. Pour péter le mot de passe. Toi et ton petit ami, vous avez intérêt à être aussi bon que le dit Bram. On va essayer. Descends. Ok, il nous largue là. Très bien. Et eux, ils se cassent. Merci, à ciao, c'est à nous de tout faire, si c'est sympa. Nouvelle quête, nouvel objet de quête, contournement du mot de passe. On va s'arrêter là, je pense. C'est sympa. On attaquera l'entrée principale. Toi, tu t'infiltres, tu désactives la sécurité et tu trouves la chambre forte. Vous êtes pas du genre à rigoler, vous. Quand on s'en prend à un baron du crime comme Sliro, il faut le faire sérieusement. Donc on aura fait que le début, mais on aura quand même pu voir le début du jeu. Le reste, après, ça va prendre trop de temps. Je vais m'infiltrer là, vite fait. Ah, cinématique, merde. Voilà, la vue est super. On va s'arrêter là, de toute façon. Phoenix, d'une façon ou d'une autre, c'est la dernière fois qu'on la verra. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo sur Star Wars Outlaws. J'espère que Bram va bien. Il m'attend après. J'espère qu'elle vous aura plu. Et regarde ce qui lui arrive par là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne et à rejoindre le Discord. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Tout va bien se passer, Nix.